Avec une fontaine. Alors, regarde bien, trésor, je crois. GG. GG. On va s'amuser, connard. Chapitre 22. Chasseur de trésors compétent. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai ma pie avec moi, quand même. Voilà tout ce qui est vrai. Hein. Fini, Drake. Mais oui, mais bien sûr. Aïe. Je l'ai eu. Ah, même là-dessous, il monte. Oh non non Allô? non Allô? non non passer ici. Non, il vient pas jusque. Bien fait. T'as vu ça? Oups. D'accord. Oh, bonjour. Fais pas te voir, toi.
perdu. Attention! Rien ne vaut l'instant présent. Cherchez encore. Il va être trop les autres. Ils sont pas là. Cherchez encore. Ils sont en bas, c'est sûr. T'es à moi. Il peut pas être loin. T'es mort. Tu as donné. C'est toi, Nate. Dieu merci. Tu vas bien? Si tu savais ce que je... C'est quoi le problème? Qui me dit que t'es réel? Et ça, c'est assez réel. Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Surprise. Cool. D'agents hallucinogènes. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit, ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça? Ben, c'est simple.
Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Hiram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais, ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elizabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici? Oui. Il voulait pas de trésor, mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage, et réécrit l'histoire. Ben, on est qui pour juger Sir Francis? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. Regardez ça. La ville repose sur cette caverne. Ça a pas l'air très sûr, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Là. On ferait mieux d'aller en bas. Donne-moi un coup de main. Merci. Ça va être le bordel. Tu te sens prêt? C'est parti. Boum, boum, boum. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. Nom de Dieu, regarde-moi ce plafond. C'est incroyable que tout soit pas encore effondré. C'est dingue que ça tienne encore. C'est là qu'on doit traverser. Aide-moi à ouvrir. Merde, à terre! Bon, retourne. Qu'est-ce qu'il a vu? Y'a rien à voir avec Peter? Bon. Je vais pas me faire pour ça, quoi. Et bah, qu'est-ce qu'on va faire ici? Non, non, non.
Dégage, c'est bon. La bande son est géniale. Ouais, clairement, elle participe grandement à l'ambiance. Allez, la voie est libre, là en bas. C'est un joyau. Pardon. Je me disais aussi, j'étais bien en face de lui. On les a piégés. Bah ouais, ce sont les minorités silencieuses. Aïe, il te protège toi. Oui, je peux pas. Attends, je peux aller par où et par où? Le médecin me l'a prescrit. On est d'accord que c'est en bas qu'il faut aller.
Allez. Ouais, mais t'es... Non, le trésor. On va faire chaque corniche. Oh. C'est bien. En même temps, elle a qu'une. Hein. Ok, bon, vous pouvez aussi passer par là. C'est prudent. Une chose est sûre, ils vont dans l'eau. Hey. Super. Je vais pas lâcher ça. Sully, viens m'aider. On doit passer là. C'est chaud, on va où, oui. On a une théorie, hein. Faites attention. Oh ouais, j'arrive pas à y croire. On doit sortir ce truc. T'as une idée? Ben, ils sont clairement plus nombreux. On peut se séparer et les encercler. Ouais, ce serait le mieux. En plus, l'homme de l'Atlantide. Dis-moi que t'as pas avec cette eau. Je crois pas. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi on a rien de valeur. Viens, il faut filer. C'est fond.
Mais oui. Donnez les loyers de Marlowe. Tout le monde dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer. Je me dis qu'ils s'en foutent. Pas moi, putain. D'accord. Cet endroit s'effondre. Quelle lumière. Chaque fois qu'il dit ça. Donnez les loyers de Marlowe. Tout le monde dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer. Pas moi, putain. Putain. Oh merde, la ville s'effondre. Faut qu'on se tire dessus. On doit sortir d'ici. Et vite. On va plus. Abusé. Donnez les loyers de Marlowe. Tout le monde dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer. Quelque chose me dit qu'ils s'en foutent. Pas moi, putain. Putain, le temps qu'elle vient de tirer encore. La ville s'effondre. Faut qu'on tire dessus. On doit sortir d'ici. Et vite. J'ai cru que c'était une grenade normale. Donnez les loyers de Marlowe. Tout le monde dehors. Hey. Quelle calme. Donnez les loyers de Marlowe. Tout le monde dehors. Ah mais carrément. Saut, hein, à chaque fois. Cet endroit s'effondre. Tenez les loyers de Marlowe. Tout le monde dehors. Mais... Et l'autre, faut que je le shoote direct, quoi. Tenez les loyers de Marlowe. Tout le monde dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer. Quelque chose me dit qu'ils s'en foutent. Pas moi, putain. La ville se fonde. Faut qu'on se tire dessus. On va sortir d'ici. Et vite. Silly, par là! Foutons le camp d'ici! Allez, viens m'aider! Allez, dépêche-toi! Oh,
ici, Sully. Hé, par là. Comment on va sortir d'ici? Les rouages. Sully, on va monter là-dessus, ok? D'accord. Possible. Ah non. Non, abusez, pas d'ici. Là-haut.
Attention! On regarde quand même un peu. C'est la sortie. Ouah. Allez, celui-là. Il faut qu'on sorte de là. Tout va s'effondrer. Trois putains de balles. Mais comment t'as bien pu faire ça? Oh putain, c'est classe. Oui, c'est ce que tu fais. Allez. Oh putain, comment c'est classe. Je l'aurais bien fait dans le shot pour qu'un jour rien de moins. Ah!
Ah putain, c'est chaud. J'en peux plus. C'était bien la peine. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça va pas le faire. Salim, venez. Terminé facile. Terminé normal. Terminé difficile. Terminé extrême. Yeah. Mon Dieu. Yalla, oui. Merci, Framboise. Richesse inestimable, hein? Ben... Ça fait pas beaucoup. Oh là là, tout s'est terminé en extrême. C'est beau, ça arrête pas, ça tombe.
Attends un peu, Nate. Ça va? Ouais. Ouais, il y a juste un truc qu'il faut que je te dise, c'est tout. Ok. Dis-moi. Tu sais, mon père était un nul. J'ai mal démarré. Arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'aurais jamais de fils. Et j'en ai jamais voulu. J'y connais rien, moi, à l'éducation des gosses. Et puis, t'as débarqué dans ma vie. Et t'as pas... Non, non, écoute-moi. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans, petit. Beaucoup. Et... Je suis content, j'aurais réussi à faire les trois en extrême. Comme ça, je vais pouvoir attaquer après pour les platines dans un mode un petit peu plus... tranquille. Arrête de faire le malin juste une minute. Ça fait combien de temps que t'as ça? Trop longtemps. Je l'avais perdu. Tu sais, petit, on n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur dépend de ce qu'on arrive à en faire. Hey. Hey. Tu vas quelque part ? Peut-être. Je suis vraiment désolée pour ta bague. Ouais, c'est rien. J'ai récupéré encore mieux. On se tire d'ici, d'accord? Ouais. Venez, c'est par là. Mais... Venez! Et confiance. Qu'est-ce que tu mijotes? C'est pas vrai! Ah, il est moins beau que celui que vous avez détruit il y a 4 ans, mais... C'est grand. Allez! Voyons si je sais encore piloter cette sale machine. Dis-moi, il y a des parachutes, hein? Oh oui. 3. Bah, plus ou moins.